Radamel Falcao, puissance 5. Ce week-end en championnat, l'attaquant colombien a fait un pas de plus dans la cour des très grands. El Tigre a posé sa griffe sur un match qui fera date. L'Atlético Madrid a dompté la couronne 6-0 grâce à un quintuplé de son avant-centre vedette. Performance que seuls 3 joueurs ont réalisée par le passé dans un grand championnat européen et dont le dernier fait d'armes en Espagne appartient à Fernando Morientes en février 2002. Le festival de l'ancien joueur de Porto démarre après l'ouverture du score de Diego Costa. Tout d'abord avec une frappe du droit croisée, imparable pour le portier Aaron Zubia. Le second, sans doute le plus beau, est inscrit d'une superbe volée du droit qui vient se loger dans le petit filet. Ensuite, le meilleur réalisateur des deux dernières éditions de la Ligue Europa transforme un pénalty qu'il a lui-même obtenu. Son quatrième but est empreint d'opportunisme. Après un tir piqué d'Arda Turan dévié par Aaron Zubia, le Sud-Américain se jette pour marquer de la tête. Enfin, il parachève le succès madrilène en mystifiant deux défenseurs, puis enchaîne avec une frappe au premier poteau. 5 tirs convertis sur autant de tentatives pour un chef-d'œuvre haut en couleur et qui met en lumière toute la palette technique du colchonero. Son entraîneur Diego Simeone ne tarit pas d'éloges à son sujet. Hoy es un día histórico para él. No sé si se volverá a repetir, ojalá. Pero él es eso, él es ambición, es ilusión, es esperar siempre más y bueno, obviamente cuando el partido se lo permite y tiene sus opciones, la verdad que es muy difícil de marcar. Falcao dépasse ainsi Ronaldo au classement des buteurs avec 16 unités à 7 longueurs de Léo Messi. D'ailleurs, le Barça s'apprête à croiser le fer avec l'Atlético. Messi-Falcao, choc des titans, le rendez-vous est pris. Voilà.